Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes différentes tronçonneuses. Alors pour commencer, je vais commencer avec ma petite élagueuse Echo CS3400. C'est une machine qui développe 30 cm3, équipée d'un guide de 35 cm, guide et chaîne d'origine, je précise. C'est une machine qui est très utile pour faire de l'élagage, vu que c'est une élagueuse, couper des petites branches, tailler des arbres. Couper des arbres de petite dimension, etc. Faire de la taille, c'est vraiment très pratique. C'est léger, on peut la tenir à une main, c'est plus conseillé de la tenir à deux mains, je précise. Voilà, c'est une machine que j'ai eu d'occasion à 80 euros par une dame qui ne s'en servait pas. Et voilà, c'est une machine qui est assez légère, légère, maniable et tout. C'est une bonne petite bécane. Voilà. Maintenant, je vais passer sur celle que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos, ma petite style MS170. C'est une machine qui développe 30 cm3 aussi, un guide de 35 cm, une chaîne et un guide d'origine. Alors, c'est une machine, c'est pas une élagueuse, non, c'est une machine de particulier. C'est une machine qui est faite pour faire un peu toutes sortes de travaux de jardin. Couper du bois de chauffage, couper des branches, faire des petits abattages, vraiment pas trop gros quoi. Des arbres de ce type là, on n'en coupe pas des gros arbres, on pourrait, mais bon, la machine n'aimerait pas trop. Alors oui, c'est une machine que je conseille fortement, c'est une machine que j'ai neuve. Conseille fortement, elle coûte dans les 200 euros à peu près. Et est très utile pour faire des petits travaux, voilà, accessible à tous et vraiment un rapport poids-puissance impeccable car elle fait 30 cm3 et pèse tout juste 5 kg. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter ma Husqvarna que vous avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos lorsque je découpe des billes de bois. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Bref, c'est une machine qui fait 35 cm3, équipée d'un guide de 40 cm, une chaîne, chaîne et guide d'origine, voilà. Machine un petit peu plus puissante que ma style. Celle-là, je vais pouvoir avoir une plus grosse gamme de travail à faire avec celle-ci. Parce que je pourrais couper des arbres légèrement plus gros et bionner des arbres aussi. Alors qu'avec celle-ci, avec ma petite style, je préférerais brancher. C'est plus prudent. Celle-là, vraiment très pratique, cette machine. Hein. Le seul petit problème que je pourrais reprocher, c'est les tendeurs rapides. Ça, c'est vraiment pas top. Je n'adhère pas vraiment. Bon, c'est pas très grave. C'est une machine que mon grand-père m'a gentiment donnée. Donc, je ne vais pas me plaindre quand même. Voilà. Donc, c'est une machine de chez Husqvarna qui est à peu près à 200 euros, comme ma petite style. C'est l'équivalence de ma style chez Husqvarna. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer celle que vous avez déjà vue aussi sans doute. Ma style 038 AV Super. Machine qui développe 66 cm3, équipée d'un guide neuf. D'une chaîne, c'est pas la chaîne d'origine, non, c'est une chaîne qui a été remise dessus. Alors, vous devez vous dire, cette machine, elle est un peu vieille pour moi. Oui, c'est vrai. Elle a 35 ans cette année. Elle a été faite en 1984. C'est une machine que j'ai récupérée par quelqu'un qui ne s'en servait pas. Il me l'a donnée parce que il en avait plus d'utilité. Puis moi j'en recherchais une. Voilà, il m'a. J'en précise, c'est quelqu'un que je connais bien. Hein. Voilà, il m'a donné cette bécane. Elle était en piteux état hein, quand même parce que le guide était foutu. Il y avait des grosses fuites au niveau de la jointure et tout. J'ai tout refait, elle marche impeccable. Assez nerveuse, le problème c'est qu'elle est assez lourde. Elle est aux alentours de 7-8 kg et c'est quand même assez lourd pour une tronçonneuse. Quand on travaille toute une après-midi avec, à la fin de la journée, on a le dos et les bras assez fatigués. C'est une machine que je me sers pour abattre des arbres. Je m'en sers pas pour ébrancher parce que c'est vraiment trop lourd pour ébrancher. Pour abattre des arbres ou pour les bionner, voilà. Machine, bon, c'est pas trop mal, mais bon, je leur conseille pas non plus, forcément. Et pour finir, je vais vous montrer ma dernière acquisition, et que j'ai acheté dimanche dernier. C'est une Echo CS450, elle développe 45 cm3.
C'est une machine très polyvalente, guide d'origine, chaîne que la personne à laquelle j'ai acheté m'a rajouté. Machine que j'ai trouvée sur le bon coin à 180 euros. Oui, elle développe 45 cm3. Elle est équipée d'un filtre air professionnel. La chose que je ne dispose pas, par exemple, sur mes autres tronçonneuses. Alors, c'est. Je vois pas encore la différence que si elle est flagrante, mais bon, voilà, ça change. On voit un peu ce que c'est. C'est des filtres à air de forme cylindrique, un peu, hein. Bon, voilà, un petit coup de soufflette dans le milieu pour le nettoyer, pour faire partir les impuretés. Voilà, bon. Je sais pas ce que ça vaut, on verra bien, hein, mais bon, pour moi, ça ne devrait pas changer grand-chose, hein. Voilà, alors c'est une machine que j'ai rachetée, elle est légèrement plus puissante que ma Husqvarna et un petit peu moins puissante que ma grosse Steel. En fait, je cherchais le juste milieu, une moyenne, quoi. Et celle-là m'a l'air toute m'a convenu. Elle est vraiment. Déjà d'aspect, elle est plutôt jolie, je trouve. C'est une machine qui date de 2011, donc plutôt finie, plutôt bien finie. Et elle va être utile pour abattre des arbres de moyenne et petite dimension. Pour ébrancher, pour bionner, ça va être une, je pense, ça va être une vraiment une bonne machine. Je l'ai pas encore mis à l'œuvre. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je la mettrai en ligne et vous recevrez la notification. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Vous verrez bien. Si la météo va être un peu plus clémente, il n'y a pas de quoi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à vendredi prochain. Salut!